Voilà. Non, je ne voulais pas ça. Merci. Et voilà. Eh bien, c'est parti. Je l'efface. Toujours en difficile. Parce que facile ou normal, c'est trop facile. Ce jeu n'est vraiment pas dur même en difficile. C'est parti. Je garde les cinématiques. La série complète, vu que j'ai les 4 jeux qui sont sortis, même s'il y en a un qui est moins bon sur les 4, je me fais aussi Arkham City, le meilleur des 4. Bon, celui-là quand même a un peu vieilli, j'avoue. Pour l'avoir réessayé il n'y a pas très longtemps aussi, il avait vieilli. Dans le sens, il y a beaucoup moins de mouvements, les gadgets et tout, enfin voilà, beaucoup plus simple. Charlie, je l'ai remarqué en fait parce que... J'adore ce que tu as fait de cet endroit. Pour vous, c'est directeur Sharp. Bowles. Hé, hey, Frankie, comment va la petite famille? Est-ce que je vous ai manqué? La ferme, le clone. J'ai ici beaucoup de gens qui veulent vous parler. Dès que je l'ai remarqué parce que... Vraiment, j'avais fait... dérange pas de marcher. Genre... Hors chronologique, en commençant par la troisième qui était sortie. Et j'ai senti vachement quand même que celui-là il manquait des choses comparé au dernier qui sort. Quelque chose cloche. Ce qui est normal. Je vais le suivre. Il est vieux maintenant, il doit avoir 5 ans. 2011, je crois qu'il est sorti. Et bon, niveau graphisme, voilà. Le commissaire Gordon est là. Oui, monsieur, il vous attend en bas, au transfert des patients. Il vient juste d'arriver. Sharpie aime ses caméras. Hé, hey, Sharpie, tu filmes mon bon profil. Mais ils sont tous les deux bons. Je veux qu'ils soient solidement enfermés derrière les verrous cette fois. Regarde toute cette nouvelle sécurité. Comment un gars pourrait-il s'échapper de là? Nouveau patient à l'accueil des soins intensifs. Le personnel non concerné doit quitter la zone. Ça fait toujours du bien de retourner dans ma petite... Bien sûr, le jeu, je le fais en entier. C'est-à-dire toutes les énigmes, tout machin, voilà. Je fais toujours le jeu comme ça. Préparation du scan. Vous savez quoi? Je préférerais ce bon vieil examen des orifices corporels. Pour... Alerte rouge. Il y a plusieurs objets interdits. Je veux qu'on refouille le Joker. C'est pas le patient, c'est... Ouh! Qu'est-ce que tu as là, Batman? C'est l'autre qui est à côté. Allez, dis-moi, Batarang, Batgriffe, Batpouf. Le Joker est OK. Ouvrez la porte! Faites-le sortir de là! Je veux qu'il soit en permanence en jour. Gardez-le constamment à l'œil. On aura assez de temps pour toi plus tard, Cash. En parlant de temps... Tac,
crocodile que j'entends. What the fuck? Programmez-moi un rendez-vous à 16h. On a beaucoup de retard. Ok, RS. Restez derrière. Bonjour, cher patient. Ici Quincy Sharp, directeur de l'asile d'Arkham. C'est mon émission préférée. Je suis un directeur idiot. Vous vous échapperez jamais. Superbe institution. Peu de gens imaginaient qu'elle deviendrait le premier centre d'évaluation et de réhabilitation pour criminels pathologiques. Joker, sur cette petite île de la ville de Gotham. Joker, la ferme. Yo, à plus, patron. La ferme, allez, franchement, l'état des installations électriques de ces établissements fédéraux est consternant. Mes hommes auraient pu être blessés dans cet incendie. Je n'ai qu'à aller voir votre prisonnier, officier Boas. Je m'en fous, mais dépêchez-vous. On suit la procédure. Le patient semble être dans un état satisfaisant. Il semble avoir subi de légères lacérations, probablement durant les deux dernières heures. On dirait qu'il est... Je viens de prendre ma température, un petit décalage ravi de baisser mon pantalon. Il est tout à vous. Sentez-le de là. C'est bon, ouvre la porte. Vous avez entendu la dame ? Un autre dingue est en haut. Vous sentez cette excitation dans l'air ? Non ? Ça devait être l'un des gardes, alors. Croc, mon vieux ! C'est toi ! Préparez-vous. Il faut le tenir en joue constamment. Il semble curieux. Que fait-il ? Je connais ton odeur, Batman. Je te traquerai. Mettez cet animal sous contrôle. Sortez-moi ça de là. Un collier bidon ne m'empêchera pas de te tuer, Batman. Je te déchiqueterai. Je te mangerai les os. Ça me fait penser. Il me faut vraiment de nouvelles chaussures. Bon, c'est parti. Allez. Un peu longue cette intro, mais bon. On va y être. Venez, bon. Comment ils ont pu laisser Batman passer la sécurité ? Super nuit ! Pour une fête ! Pas là où tu vas. On a le temps, Batou. J'ai encore plus d'un tour dans mon sac. Au fait, tu ne trouves pas étrange que l'incendie de Blackgate ait entraîné le transfert d'une centaine de mes hommes jusqu'ici ? Je croyais t'avoir dit de rester tranquille. Oh, Frankie, faudrait vraiment apprendre à la fermer. Ça peut attirer des ennuis. Dis-moi un peu, je ne t'ai jamais coincé si facilement. Qu'est-ce que tu cherches, en fait ? Oh, pas grand-chose. La mort horrible d'une centaine d'armes, toutes ces vies insignifiantes, trouveront une fin terrible. Grâce à toi et à des allumettes. C'était ce que tu voulais entendre ? Tous les patients devraient éviter tout contact avec les détenus de la prison de Blackgate. Leur présence... Qu'est-ce qu'il fait ? On ne bouge pas. Il faut une torche ! Il faut l'éclairer ! Présence de notre institution est temporelle. Quoi ? Tu ne croiras pas. L'invité est là. Là, c'est marrant parce que ce garde, il a la voix. Code Alpha Rouge, aux étages inférieurs, des soins intensifs. Il a la même voix que l'épouvantail dans le jeu, quoi. Mais tu enfin... Tu as tué 3 de mes gars quand tu t'es échappé. C'est le même doubleur. 3, c'est tout ? Je ferai bien mieux la prochaine fois. On parie une centaine ? Allez.
dure nuit, Jim. Ah, le Joker a osé envahir la mairie et il retient le maire en otage, me laissant la tâche de gérer les équipes de choc, les médias et vous. Ouais, c'est une sacrée nuit. J'espère que ce sera la dernière avec lui. Ouais, c'est ça. On ne passe pas. Désolé, Batman, réservé au personnel d'Arkham. Je vous assure, s'il y a bien quelqu'un de qualifié... Écoutez, j'apprécie cette aide, mais il déstabiliserait les patients violents. Je crois bien qu'il parle de toi, Batou. Ne fais pas ton timide, tu es toujours le bienvenu ici. Ah, ça fait du bien d'être de retour. Je t'ai manqué. Est-ce que ça va? Il s'est rendu presque sans combattre. Je n'aime pas ça. Au moins, il a retrouvé sa place. Debout ! Allez ! Le Joker est libre. Alertez le directeur. Échappe ! On est en train de le perdre, Doc ! Chacun son tour. Chérie, je suis rentré. Entre, mon ange. C'est parti. Bienvenue à la maison de Batman. J'ai tendu un piège et tu es tombé dedans comme une fleur. Et maintenant que la fête commence. Mesdames et mesdames. Désolé pour cette interruption que vous comprendrez. Il y a encore quelques secondes, j'allais traiter les gens de cette pièce avant de fermer la télé. Vous avez une chair accrochée. Au moins, dans le mode difficile, ce qui est bien, c'est qu'ils sont résistants. Donc ça fait plein de points d'expi rapidement. Voilà. Les trois premiers. Ce n'est que l'échauffement, Batou. Tout juste sorti de la prison de Blackgate, avec une peine totale de 752 ans. Allez. Ding, ding, ding. C'est le round 2. Désolé, je ne t'en crois pas. Ah oui, bien que ce qui est bien aussi dans le dernier qui est sorti, c'est le fait que de pouvoir frapper les gars au sol dans le combo. Au moins, je fais... Voilà. Exactement ce que je déteste quand ils frappent dans le vide. Et voilà. Le système déraille. On est coincé. Le Joker contrôle les portes de sécurité. Je trouverai une solution. Gordon, essayez de contacter le directeur. Dites-lui ce qui est arrivé. Comment c'est pas ramasser des points ? Je reviendrai. Ne fais aucune promesse en l'air, Batouder. J'aime pas avoir des nouveaux qui traînent. C'est moi qui dirige l'asile. Tu iras là où je veux que tu ailles. Et je peux ressortir. Si tu crois que je vais te laisser filer... J'ai plus de grappin, je peux passer là, non, Le blabla du héros. J'en ai marre de regarder ça. Et là aussi, pourquoi non. Pourquoi ne pas venir me chercher? C'est un piège, bien sûr. Bien sûr que c'en est un. Le Joker est dernier. Ces pauvres gardes n'avaient aucune chance. Tous les patients doivent prendre leurs médicaments chaque jour aux heures prescrites. Les deux... Attention, brèche de sécurité au niveau B3. Attention, brèche de sécurité au niveau B2. Brèche de sécurité au niveau B8. Hé, hey, Batman, brèche par ici. Niveau B1. Attention, brèche de sécurité au niveau B6. Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est le Joker. Vous avez eu de la chance. Il a dû partir par là. La porte est bloquée. Je vais essayer de l'ouvrir. Besoin d'aide au service pacification. Je répète, besoin de renfort au service pacification. Quelqu'un m'entend ? Vous m'entendez ? Je suis avec Batman. Allô ? Où sont-ils ? Vous avez besoin d'aide ? Non. Je travaille mieux seul. Zaz est libre ! Oh bon sang ! Il a Mike ! Franklin, tu m'entends ? Si oui, les renforts sont en route. Oracle, tu m'entends? Ah oui, dans celui-là, on peut pas... Mais... 5 sur 5, quoi de neuf? Le Joker s'est échappé. Il est en liberté dans Arkham. Besoin de quelque chose? Mon père est toujours là? Le commissaire Gordon est sauf. Le Joker n'est pas très loin. Je resterai en contact. Allez. Il ne s'en sortira pas! Relâche-le! C'est Zaz! Il a Mike! Il est attaché à la chaise! Zaz a complètement perdu la boule! Attendez-là. Impossible. Il tuera Mike s'il voit quelqu'un s'approcher. Il ne me verra pas. Si je vois quelque chose qui ressemble de près ou de loin à une chauve-souris, un garde-meur. Vous m'entendez ? Allez, hop, c'est parti. Olé, olé. On fait le tour. Arrête, tu t'as rien fait. Laisse-le partir! Non, ça je m'en fiche. Allez. Zaz a pris mon ami! Il va le liquider! Aidez-le! Pitié! Faites diversion. Je dois me placer derrière lui. Je dois m'approcher suffisamment de Zaz pour attaquer. Il me verra venir au sol. Je resterai dans les airs. Arrête! Il t'a rien fait! Laisse-le partir! Ces vieilles gargouilles doivent pouvoir supporter mon poids si je grimpe jusqu'à elles. Ça, c'est à terre, pas pour longtemps. On ramène cet animal dans sa cellule. Salut Batman, ici c'est Harley Quinn. Est-ce que tu aimes mon nouvel uniforme ? Sexy, pas vrai? Oh, et j'ai quelque chose à te montrer. Une seconde, Batman. Tada! C'est moi qui remplace le vieux maintenant. Le vieux Sharpie est vraiment très content. Au cas où tu ne l'aurais pas compris, aujourd'hui, le Joker prépare une grande fête et tu es l'invité d'honneur. Tu as une chance de te rendre, Queen. T'entends, Batman, mais pas question. Les prisonniers dirigent la ville maintenant. En fait, il s'agit des sbires du Joker venus de Blackgate. Enfin, tu vois le genre, hein. Allez, salut. Pas oublié. Vous m'entendez ? Oracle. Je suis là. L'asile d'Arkham vient de disparaître du réseau. Il contrôle le système de sécurité. Il l'a probablement isolé de la grille. Et ce n'est pas tout. D'après les rapports de police, il a placé des bombes partout dans Gotham. Il dit qu'il les déclenchera si quelqu'un se rend sur l'île d'Arkham. Pour l'instant, c'est top secret. Mais l'affaire peut éclater au grand jour à tout moment. Il ment. Ce n'est qu'une diversion pour tenir les gens éloignés. Comment le savez-vous ? Je le connais. Il le connaît. La salle est verrouillée. Je ne peux pas ouvrir la porte. On est coincé là-dedans. Essaye la radio. La salle de commande devrait pouvoir fermer la porte. Harley croit m'avoir piégé dans cette chambre. Elle n'a jamais été très intelligente. Voilà. Allons frapper. Une sortie ! Batman a trouvé une sortie ! Batman, je vous connecte à la radio des gardes. Steve, d'autres prisonniers de Blackgate, au niveau de la chaudière ! C'est ça, derrière eux. Oh mon Dieu, c'est le Joker, il est libre. Comment s'est-il échappé ? La communication est coupée. Un coup ça marche et un coup non. Ça ne va pas. Je continue d'essayer. Oh non, on y ne sort. Ils sont coincés là-dedans. Allez.
Mais c'est quoi ce bordel? La toxine du Joker. Écoutez, la pièce est pleine de gaz toxique. Quiconque est pris dedans est mort. Vous allez entrer et les aider, Batman? Oui. Si tu me laisses y aller... Non, d'un chien! Ils sont en train de mourir là-dedans! Ce n'est pas qu'une simple tentative d'évasion. Le Joker avait tout planifié. Aidez-moi! Vous serez en sécurité. Restez ici. Batman est là! Tiens encore un peu, Steve! Je peux pas! Je vais tomber! Je pars à la recherche de l'animal qui a fait ça. Batman, le système de ventilation! Steve, essayez d'atteindre le panneau de commande au bout de la pièce! On la somme quand même au passage parce qu'il n'y a pas de raison. Allez. Et puis le gaz. Attention, la pureté de l'air est maintenant à un niveau normal. Ah, celui que j'oublie tout le temps, cette fois, je ne vais pas l'oublier. Ça, ça me fait passer. Youhou ! Allez, Batman ! Vous déchirez ! Le Joker n'a aucune chance ! On va y aller encore ici. Allez, Ah oui, ça y est. Ah, j'ai débloqué les choses. Allez, la puissance des coups. Voilà. Après. Ah, j'aurais dû prendre le prédateur, c'est pas grave. C'est pas très dur au début. J'en aurais pas besoin. Il est pas un. Non, je me trompe. La la la. Allez, let's go. Ah. Oh non. Bon, c'est pas grave, de toute façon je ressors par là. J'ai à voir les dents. Il n'y a pas d'issue, Joker. Je te trouverai. Ah oui, j'y compte bien, mais pas maintenant. Là.
Voilà, c'est bon. Je suis d'humeur généreuse, je vais t'offrir ça, Batman. Fais-moi tomber, vas-y, stoppe ça. Débranche tout, arrête-moi une fois pour toutes. Tu es bien trop prévisible, Batman. J'aimerais encore discuter, mais j'ai une fête à organiser. Des tas d'invités arrivent de tout Arkham. Tu vas voir. Ah, Batman. Batman, je suis là. Une seconde, j'arrive. Hop là. Batman, je suis là. Oui, oui, je t'ai vu. Il semblait venir de nulle. On l'appelle l'isolement extrême. On n'y entre que par le système de transport. Ouvrez-la. Ce n'est pas un problème, je n'ai qu'à appeler une autre cellule. Ok. Il y a quelque chose qui cloche, la boucle de sécurité principale est verrouillée. Ça va pas là-haut ? Joker. Tu t'attendais peut-être à voir, double face. Tu ne t'échapperas pas, Joker. Quel idiot ! Je ne veux pas m'échapper ! Je m'amuse trop ! Je te garde même ici pour conserver ton beau sourire ! Pas pour longtemps. Ah oui ? On verra ! Salut ! Ah, j'oubliais ! Juste au cas où tu prévoirais de me suivre à la trace, j'ai pensé à assurer mes arrières. Gordon est en route pour voir Harley à l'instant même. Officier Bowles. Si je te vois me suivre, il mourra. Harley n'attend que ça. Je filmerai peut-être pour mettre ça sur Internet. Le système de transport est HS. Le mieux que je puisse faire est d'ouvrir la porte par laquelle vous êtes arrivé. Désolé. Je devrais retourner aux cellules de détention. Bowles n'est pas très intelligent. Il aura laissé une trace. Batman, que se passe-t-il ? Oh. Le Joker s'est enfui. Il s'est enfermé. Il tient votre père. Ah, papa ! Je déteste ces moments avec Gordon. Est-ce que je peux ? Ok, je sais, mais... Oracle, je le ramènerai. Le Joker ne gagnera pas. Je ne le laisserai pas. Je commence par l'endroit où il a été pris. Un garde du nom de Frank Bowles l'a attaqué. Si je le trouve, je trouve votre paix. Bruce, faites vite, s'il vous plaît. Échapper au grand détective. Ça fait longtemps qu'on se connaît, Frankie et moi. Je l'ai aidé à se débarrasser d'ennuis il y a quelques années. Voilà. J'aurais besoin de plein de sécurité ou de frapper un vieillard à terre. Je serais à qui me loger. Oracle, je suis dans les cellules. J'analyse une scène de crime. Quel est le plan ? Isoler quelque chose qui appartienne à Bowles ? C'est bien ça. Bowles a laissé sa flasque. Quelle classe. Voyons ce que le scanner médical... Je peux suivre les traces d'alcool du bourbon de Frank dans l'atmosphère. Oracle, j'ai une piste. Génial, suivez-la. Je cherche tout ce qui est disponible sur Arkham. Ça peut aider. À plus. Le transport vers les étages supérieurs est autorisé au personnel ayant les autorisations adéquates. Le niveau de sécurité est maintenant en code alpha orange. Alpha. Fa. A. 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 A.
pas fiable. Comment le Joker s'est-il libéré ? Taisez-vous. Que se passe-t-il ? Batman, Monsieur J n'a absolument pas envie que tu nous suives tout de suite. Gordon est remonté à la surface en ascenseur. Si je veux pouvoir les suivre, je dois faire ça à l'ancienne. Et hop, des points. Alors. Illumination inversée, tellement pratique. Alors. Ah oui, je me suis perdu parce que c'est pas par là qu'il faut aller. On ne drague pas les employés, ma chère. Dans quelques minutes, d'autres gardes viendront. Ne les laisse pas s'enfuir. Allons, allons, poussin. Vous savez bien que je n'aime que... Tu as piché, Batman ? On dirait que Franky s'en sort par complètement. Un employé de plus pour l'organisation. La caméra, j'ai pas vu. Mais c'est pas grave. Allez. Batman, comment ça va ? Des nouvelles de mon père ? Rien, mais c'est pour bientôt. Harley Quinn voulait me ralentir. Elle m'a jeté un ascenseur. Et alors ? Elle m'a raté. Je vous rappelle quand j'aurai fini de suivre la piste. Les hommes du Joker ont pris le contrôle du couloir de transfert du quartier cellulaire. On a un prof... Je sais. En approche directe, c'est du suicide. Je dois la jouer fine, trouver un autre moyen de les dépasser. Ce va vraiment venir par moi.
été. Il est quand même aveugle. Mais non, c'est pas dans celui-là, on peut les exécuter d'un coup. C'est dommage. Pas de problème, patron. Les gars terminent. Ces tarés d'Arkham n'ont jamais eu la... Oh, regardez qui est là! J'ai le réflexe d'appuyer sur X, comme dans le 2. Je suppose que je devrais avertir mes gars que tu arrives. Et peut-être pas. Ils ont une belle surprise. J'ai pas oublié un truc, là. Non, c'est bon, y a pas de trophée, rien du tout. Ah, les mauves, c'est votre gentil oncle G. Attention, impatient, c'est dépanné. C'est une chauve-souris. Ah, 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 quel abruti. Il paraît qu'il est déguisé et très dangereux. Personnellement, je crois que la meilleure solution, c'est de l'achever. C'est le seul traitement qu'on a. Ah, on ne fait pas, trouvons-le. La cassette d'enregistrement. Je vais envoyer quelques-uns de mes gars. Voyons comment tu t'en sors. Oh, regarde, le Joker le veut. On se sépare. Il peut être n'importe où. Juste trois. Alors ouvrons grand les yeux. Allez. Allez, les gars, ce n'est qu'un homme. Un homme impiant, dingue et armé jusqu'au. Chopez-le! Où il est? Putain, t'es obligé de courir si loin, toi. Non, mais c'est pas possible. Celui que je choisis, c'est celui qui va le plus on loin, va quoi. Te tuer, oui, il s'est retourné! Bien sûr! Mais bien sûr! C'est ça, le truc il se retourne, ça commence super. Ah, et en plus je dois recommencer. Attention, impatient, c'est dépanné, c'est une chauve-souris. Oh, ah, 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 quel abruti, il paraît qu'il est déguisé et très dangereux. Non. Chopez-le. Merci. Avant qu'il blesse quelqu'un. Vraiment. C'est pas possible quoi, il me fait de la merde là, le jeu, c'est fou. Au moins ça va être silencieux tout du long. Il n'a aucune chance. Vous êtes les meilleurs. Enfin, ce que j'ai pu trouver. C'est suspension pour le dernier. Ce type est dingue. Allez. Qu'est-ce ça, que c'est tu fait. Fous tu croyais que ce serait si facile, Batouille. Je t'ai envoyé quelques-uns de mes gars. Voyons comment tu t'en sors. Allez, pitié. Le Joker le veut. On se sépare. Il peut être n'importe où. Alors ouvrons grand les yeux. Allez, allez. Je veux descendre. Nya. Vous l'avez eu. Allez. Fais passer pour des nazes. On va attendre parce que s'il bouge, je me fais avoir. Ou non. Tu me fais pas peur, Batman. Voilà. Oui, merci. Putain, mais c'est pas possible, quoi. Allez.
moi aussi. Je vais pleurer. Faut vraiment que tu prennes l'échelle là, tu me gaves à ce point là. Le Joker doit t'avoir. Allez, l'homme mystère. Non, oui. Voilà. Oui, c'est moi, Edward Nygma, l'homme mystère. Et plus important encore, un être à l'intelligence supérieure. Mon génie m'a permis de pirater facilement tes communications primitives. Mon but est simple. Tu termines une série de défis drôlement ardus et... Tu verras bien. Prêt pour le premier? Bien. Mais attention, ne te coupe pas sur ce portrait finement observé. Voilà. Alors, première énigme du jeu en français qui est incompréhensible. Alors que si tu la traduis en anglais, elle est très facile. Voilà. Je m'attendais à ce qu'un enfant arrive à résoudre ça sans parler du plus grand détective au monde. Hé, Batman! Je peux faire ce que je veux? Merci. Voilà. Ne prends pas la grosse tête, chevalier noir. Ça se complique à partir de là. Allez. C'était un massacre. Ball s'est arrivé en... Ball. Ouais. Allez, je m'en fous ce que tu dis. Désolé. Désolé pour cette interruption de notre programme. Jack Ryder est en direct de la baie de Gotham avec des scoops. Ici Jack Ryder avec des scoops sur la baie de Gotham. On nous signale une prise de temps. Attendez à ce que tu sois meilleur que ça. À ce train-là. Écoutez les gars, arrêtez. J'ai repéré le jouet favori de Batman, garé à l'extérieur des soins intensifs. Mais je ne veux pas qu'il... Quand on quitte, c'est il tout de suite. Ah là, je suis obligé d'aller vite, sinon... Tout alpha, vilain, meurtrier et instituteur de jardin d'enfants qui n'exécute Oracle, désactivez. Alors, on va améliorer ça. Ouais, il faut que j'améliore ça histoire de faire les trucs spéciaux. On prend ça et on y va. Bien sûr, tu as trouvé celui-ci facile. Dieu de son sourire. Oui, je suis complètement bête. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'avais oublié que... Faut passer là, et puis... De toute façon, je reprends.
prendrai ma vie après. Bien sûr, il me touche là. Oui, c'est ça, mais putain. Il y a des réserves de gel explosif dans le coffre de la Batmobile. Harley a laissé des traces sur la voiture. On dirait qu'il y a eu une bagarre. Je dois fouiller la zone autour de la Batmobile. Je pourrais trouver un indice sur le lieu où elle a emmené Gordon. Il faisait partie des défis faciles. Je dois isoler une trace dans la scène du crime autour de la Batmobile qui le mènera okay, à Gordon. Ok, je te fais ça. Bizarre, c'est la pipe de Gordon. Barbara la lui a donnée, il ne la quitterait pas. Wild Country, le tabac préféré de Gordon. Gordon est il plus intelligent qu'il en a l'air. Il m'a laissé une piste à suivre. Oracle, j'ai trouvé so une convenient. Pipe. Les initiales de votre père étaient gravées dessus. Je la lui ai offerte pour son anniversaire. C'est exact. Je les passerai pas si... C'était pas aussi chiant. Parce qu'on ne peut pas bouger. Alors, tu as abandonné et pris ma carte. J'espère que ça se révélera utile. Collectable. Allez, on collecte tout. Comme ça. Ça, c'est pas zut. Évidemment, j'oublie qu'il n'y en a pas ici. Je ne vois aucun brin de tabac. Je vais devoir revenir sur mes pas et détecter à nouveau la trace. Ouais, sauf que je cherche pas de grain de tabac tout de suite. Non. C'était où? Bon, il y en a plein aussi là-dedans, là, dans la... Alors... Voilà. Un défi terminé. Juste en dessous. Tu peux faire mieux. Oh, mais merde, t'es obligé de tomber tout en bas, quoi. Pas de tabac ici. Oui, ta gueule. Elle a emmené Gordon dans une autre direction. Je dois aller la chercher. N'oubliez voilà. pas, cherchez dans tous les coins et reprends. Je veux donner alors, ici. Et personne il y en a. Je suis un autre consciencieux. Et l'autre en dessous. Ouais, voilà. Voilà. Alors comment l'as-tu trouvé? Grâce au point d'interrogation vert brillant. L'alignement. J'aurais déjà résolu toutes les énigmes alors. La trace est froide. Je devrais retourner au dernier endroit où j'ai vu du tabac. Le. Un singe aurait pu résoudre celle-là. Eh bien, je voilà. Symbole d'Arkham. Le sang de ma famille. Ainsi le grand détective l'a résolu. Pas de tabac ici. J'ai déjà 10% elle a emmené de Gordon défi. Dans une autre direction. Je dois aller la chercher. Ben voilà, il y en a un là, mais je crois que je peux l'avoir qu'avec la tyrolienne. Et celui qui est en dessous avec le triple grappin. Donc, on va continuer, tranquille. Ouais, je vais continuer l'histoire. Allez, hop, c'est parti. Il veut tellement voir ses grains de tabac. Je ne vois aucun brin de tabac. Je vais devoir revenir sur mes pas et détecter à nouveau la trace. Les portes de sécurité sont voilà. fermées.
Je vais devoir trouver un autre chemin et retourner sur la trace de Gordon. Le mur en face est assez fragile pour que mon gel explosif le fasse sauter et ouvre un nouveau passage. Let's go ! Allez, on y va. Alors, au-dessus de moi, il y en a un. Ou pas. Oui, il y en a un là et là. Sur les points d'XP. Juste aller faire le petit easter egg. En fait, il faut revenir là plusieurs fois histoire d'avoir une histoire un peu. Enfin. Il nous parle plus, quoi. Entre ! Assieds-toi ! Enlève ton masque ! Alors, Batou ! J'étais en train de me dire, tu aurais bien besoin d'un ami ici. Quelqu'un qui parlait, avec qui partager tes secrets. On commence avec le gros. Qui se cache derrière ce masque ? Pourquoi ressens-tu le besoin de sortir combattre des gens comme moi ? Tu crois pouvoir gagner ? On verra. Et là, quand on se retourne, il change de position des fois. Tac. Ouais, voilà, il a changé la position. Aucun brin de tabac. Oui, je sais, je sais. Je vais devoir revenir sur mes pas et détecter à nouveau la trace. T'inquiète pas. Ouais, c'est bon. Presque. Ah, ça m'énerve. Je peux pas zoomer, je crois. Pas aligné là. Te fous de moi. Eh ben. Pas de tabac ici. Elle a emmené Gordon dans une autre direction. Je dois aller la chercher. Il est là ! Ne le laisse pas toucher ! Voilà. Ils sont espacés, ils sont morts. Bam, bam, bam. Oh ! Je l'ai pas fait exprès, ça reste. Oh bon. J'ai appuyé sur le bouton sans vouloir. En même temps. Ouais, c'est ça, touche-moi. Il en reste ? D'où tu sors, toi ? Il vient d'où, lui ? Peut-être celui que j'ai jeté, je l'ai jeté par-dessus, il est pas mort, et résultat, bon, bah, voilà. Émission instantanée, ça c'est important. DY, ok. Pour gérer le peuple quand ils sont trop nombreux. La cassette. Le Joker est plus intéressant que je ne pensais. Quand le projet du temps sera prêt, je vous dis qu'il sera le combat parfait. Bonjour. Aujourd'hui, je pensais revenir à nos précédentes conversations sur votre famille. Bien sûr. Je suis bien dans un petit village de Facebook.
Mon père était fou. Une semaine avant la retraite, il a pas de retour. Quelle histoire ? De quoi avez-vous peur ? Peur ? Oui, peur. Il était fou. Quelque chose qui a fait penser que vous êtes. La douleur et la souffrance qui s'insinuaient dans les veines de Gotham furent ressenties par mon père d'abord, touché par une terrible maladie. Ma mère survécut, mais dans le trou là. Je rejoignis la maison familiale pour m'occuper d'elle, tandis qu'elle conservait le lit jusqu'à son dernier souffle. Ses pleurs me tenaient éveillé la nuit. Hop là ! Au-dessus. Voilà. Tu entends ça, détective ? C'est moi qui applaudis à ton succès. Tu n'entends pas ? C'est parce qu'un idiot aurait trouvé ce trophée. Voilà, c'est bon. Allez, direction le centre médical. Ah non, je peux... Ouais non, autant que j'aille directement par le trou. Les trophées, les cacher partout. Lâchez-moi. Il a des informateurs. La ferme est descend avec les autres. Alors. Bouge-toi. Ok, ok, je vous entends. J'y vais. Pourquoi a-t-il besoin des médecins ? Je dois les sauver. Allez. Un. On va s'en faire deux, deux d'un coup. Je supporte pas les pleurnichards. Voilà. En fait, j'ai activé sans le faire exprès, mais c'est pas grave. Voilà. Je vais me faire voir. Non, ça va. Ça va. Presque. Mais... Ah non, on descend pas par là. Arrête. C'est non. T'es tout seul maintenant. Ah, il revient. Personnellement, je déteste les hôpitaux. Je ne vous envie pas. Voilà. Et le dernier.
Oui, bien sûr. Bon, c'est pas grave, mais bon. La rambarde. Non. Bon, avant de leur parler, on va se faire. La salle est vide, vous êtes en sécurité. Avant de leur parler, quelques trophées. Alors, ici, et quelques énigmes. J'arrive, j'arrive. Mon voyage dura à peine un mois. Je découvris de nouvelles idées en rencontrant des universitaires à Métropolis et Kisto. Je regagnais ma... Par ici ! Je crois qu'il y en a un là-dedans. Y en a-t-il un là-dedans ? C'est ça. Bon, j'aurais pu exploser le mur en fait. Mais... S'il vous plaît, j'avoue, je savais plus où il était exactement. Allez, on continue. Hop. Hop et hop. Par ici. Par ici. Oui, je suis là. Je suis là. Bonjour. Merci. J'ignore ce qui s'est passé. Batman nous a sauvés. Je n'avais jamais vraiment cru à son existence. Vous allez bien ? Pourtant... Batman nous a sauvés. Il y a un... Je suis sûr qu'il y a un... Il y a un truc à apprendre. Un truc de record, quelque part. Voilà, je savais. Entretien avec un patient numéro 21. Nom du patient, Edouard Nigma, alias l'homme mystère. Alors, Edouard... Le directeur Sharp m'a dit que vous aviez encore gribouillé des énigmes menaçantes sur les murs de la ville. Il faudrait être diablement paranoïaque pour voir des menaces dans d'innocents ennemis que nous observions. Puis-je vous en poser une? Très bien. Qu'est-ce qui marche à quatre pattes? Voilà, ça va sauvegarder. Je vais arrêter là pour ce jeu. Permettez-moi de vous présenter le brillant travail du docteur Penelope Young, notre nouvelle directrice de recherche. Juste une petite session sur ça. Alors, on va juste